Salut à tous, salut les abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux colis. Alors voilà ce que j'ai reçu la semaine dernière. Vous avez tout devant les yeux, enfin presque tout, parce que j'ai encore des petits trucs à vous montrer. Alors, j'ai déjà reçu cette Mercedes 350 SL en bel état. Avec une remorque. Avec un petit bateau. Voilà. Très mignon ce petit bateau. Plaque en 75 de l'époque. Hop. Ensuite, j'ai reçu cette Renault 5 Turbo. Alors d'occasion, elle vient d'un pack. Mais moi, je ne l'avais pas en solo, donc j'ai préféré la racheter parce que je l'ai dans un pack. Très joli. Vous avez aussi un ensemble Majo Kit. Donc c'est une petite station. Une petite aire de repos. Voilà. Alors c'est le 705. Voilà. Ça c'est années 80 à peu près. Donc c'est assez rapide à monter et puis bah celui-là il prend pas trop de place donc c'est plutôt sympa. J'ai aussi reçu le néoplan Iberia de la part de Christophe. Il me l'avait réservé suite à sa dernière brocante. Il est en super état, il est en bien meilleur état que celui que j'avais déjà. Donc ça fait plaisir. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, il y a tout un lot de buggy. J'ai acheté un petit lot de buggy, enfin un petit, moi qu'on n'avait pas beaucoup. Allez, on commence tout de suite avec celui-ci. Alors, il y a plusieurs références sur les buggy. Celui-ci est assez récent. Ça reste un Made in France numéro 248. Voilà. Les roues pleines. Il a sa capote, les sponsors. Il est en bel état. On a celui-ci qui est plus ancien. Voilà, avec les roues en spirale. Il n'est pas tout à fait complet. Le numéro, c'est aussi 248. Il n'y en a qu'un qui n'a pas le même numéro. Faut que je le retrouve. Un deuxième avec les roues spirales. Pas complet non plus. Mais très sympa. Un troisième avec des roues différentes. Voilà, les roues sont fatiguées. Hein. Celui-là, il a joué un petit peu. Toujours du Made in France. Alors, on voit pas grand-chose là avec le reflet de la lampe. Alors, on a celui-ci avec des roues pleines, mais couleur normale, pas comme sur l'autre avec les roues jaunes. Pareil, numéro 248 aussi, je crois. C'est ça. Alors, ensuite, on va avoir celui-ci en orange un petit peu fluo. Très sympa. Celui-là est vraiment une belle couleur. Et pareil, toujours numéro 248, Made in France. Alors, je pense qu'il lui manque sa capote. En tout cas, il est sympa.
un petit violet pour changer. Et là, on a des roues un peu plus modernes. Ce sont les roues larges qu'on peut retrouver par exemple sur les Pontiac. Bon, malheureusement, son volant, il est écrasé. Pareil, numéro... Non, celui-là, numéro 232 pour celui-là. Numéro 232 pour celui-ci. Voilà, celui-ci est plus récent. On retourne sur un ancien avec le Flower Power, un jaune avec sa capote, très joli. Il est mignon comme tout celui-là. Pareil, numéro 248. Allez, l'avant-dernier, le bleu. Avec les roues pleines, les petites fleurs aussi. Alors dommage, il n'a pas ses phares. Après, ça casse pas la ligne. Et le dernier buggy, c'est le même que le premier. Les roues pleines, la capote, ouais, c'est exactement le même. Et toujours numéro 248, Made in France. Alors, autre achat la semaine dernière, un blister neuf, mais neuf, pas d'aujourd'hui. Il s'agit de la série Explorer. Je pensais que je les avais tous, mais il me manquait encore celui-ci. Et je pense qu'en cherchant un peu, je vais peut-être encore retrouver des véhicules qui me manquent. Là, ça date de 2018 ou 2019. Il s'agit du Polaris. Très joli petit véhicule. Il est sympa celui-là. Hop, on va le poser là. Et dernière chose de la vidéo, une plaque Majorette. Ah, je suis trop près là pour le coup. Voilà, c'est une plaque de présentoir Majorette en plastique. C'est du plastique transparent. Donc on peut mettre un néon derrière pour avoir un rétroéclairage. Et je vais pas m'en servir pour les vidéos, je vais m'en servir pour ma collection, pour mettre sur mon meuble. Voilà. Très sympa ce petit objet là. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter pour me dire quel véhicule vous avez préféré. Voilà, à la petite vue d'ensemble. Et sur cette image, je vous dis à bientôt. Ciao les amis.